Ouais, pourtant, parce qu'il y avait la place en deuxième période, même en première. Voilà, ça nous a manqué l'efficacité. Après, je crois que le penalty est aussi très très généreux. C'est incroyable qu'il soit sifflé. Enfin, bref. Voilà, donc c'est dommage parce qu'après la gifle qu'on a pris à Guingamp, c'était vraiment bien. Un peu timoré en première mi-temps, on manquait de rythme, d'agressivité et tout ça. Et on n'a pas été très entreprenant, mais malgré ça, on a quand même des situations. Et puis bah, cette fin de match, on doit au moins en planter un. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'on montre un autre visage, un visage un peu plus conquérant. Donc, je pense qu'il faut maintenir ça et garder ça notamment pour être de déplacement en Corse. On sort de ce match-là un peu avec un sentiment bizarre. Moi, je vais paraître un peu idyllique, mais en fait, en sortant de ce match-là, je suis fier de mon équipe. C'est surtout ça. On a pris une gifle la semaine dernière, 4-0, et voilà, on sait tout ce qu'il fallait faire mieux. Et aujourd'hui, on a montré un tout autre visage, mis à part sur penalty où je me permettrai pas de commenter, mais voilà, mis à part sur penalty, je crois qu'on ne concède pas grand-chose. On a été solide défensivement, on n'a pas concédé grand chose. Et puis on a tout donné jusqu'à la fin. On a des occasions en fin de match où ça peut tourner, un arrêt du gardien, un penalty oui ou non. Un poteau. C'est bizarre de dire ça après une défaite, mais c'est très satisfaisant dans sa globalité, c'est très satisfaisant. Et il y a eu du mieux par rapport au match passé, même dans la première période et la seconde. Je pense que petit à petit, il y a des choses qu'on améliore et on voit les faire en travaillant. Et je pense que la prochaine fois, pour le match prochain, on pourra faire encore mieux.